Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. Moi, je vais très bien. Merci. J'ai dépassé les 1000, en fait. Vous êtes plus que 1000 avec moi. Et demain, ça fera un mois, en fait. J'ai l'impression que j'ai pas réalisé. C'est un truc, c'est merveilleux. Merci pour vos retours, les deux dernières vidéos, trois même, parce que j'ai mis le soin d'ailleurs hier en ligne. Merci, merci pour vos retours. Je ne pensais pas en fait vraiment que ça allait plaire. Je ne pensais pas que ma vie, la musique, c'est pas réglé. Il y a pas de réglage. Tu vois, c'est dû comme ça. Mais bon. Il faut vraiment croire que l'amour, ben, fait de belles choses. Merci, merci. Je sais même plus ce que j'allais dire. Je dois répondre à tout le monde et je vais le faire, d'accord? Mais j'avais oublié qu'aujourd'hui c'était la pleine lune, d'accord? Aujourd'hui à 11h17, je crois. De chez vous en Sagittaire, il me semble. Oh, je sais même plus mal. Mais il me semble que oui. Ah, c'est sur celui-là. Alors, mais il me semble que c'est ça. Je vais faire la vidéo de la pleine lune. De la nouvelle lune, c'est une nouvelle lune, je crois. Je ferai à l'heure exacte de la nouvelle lune, donc à 11h47 de chez moi. Ok. Comme ça, j'aime bien être dans les énergies, d'accord? C'est vrai que je l'ai déjà fait sur mon Facebook de faire la vidéo avant et j'aime bien faire le jour même en fait, tu vois. De toute manière, les énergies de la nouvelle lune, c'est de la lune, c'est par cycle, tu vois. Donc voilà, je suis pas en retard, je suis pile poil à l'heure de base. Okay, ouais, on peut plus rien faire avec mes cheveux. C'est comme pour les signes d'ailleurs. Je tenais à vous préciser, moi quand je... Moi, oui, parce que je parle de moi, moi, ma façon de faire, j'aime commencer l'enregistrement des signes, j'aime commencer à faire les signes à partir du premier de chaque mois. Donc, tout est en ligne le 5, en fait, normalement. S'il n'y a pas de petit retard, mais j'aime être dans les énergies du mois, en fait, tu vois. C'est comme ça. Ça me perturbe, moi, si je commence le truc en fin de mois. C'est, non, moi, ça me gêne. Donc, voilà. C'est toujours, je commence mes vidéos le premier et tout est en ligne le 5, d'accord? Mais ouais, merci, merci, merci. Et vous êtes plus de 1000 en fait, 1007, je sais pas trop à quoi ça correspond. Il y a 1,07, je sais pas le 0,7 c'est quoi derrière, mais bon, c'est magnifique en fait, c'est juste beau. Demain, ça fera un mois que je suis avec vous, que vous êtes avec moi, que je vous donne mon amour, que vous me renvoyez de l'amour, que c'est magnifique, en fait, tout simplement. Je me demandais si un petit live, mon Dieu, comment je vais faire, moi et l'informatique, moi et tous ces trucs-là, on fait, on... Pff, mon Dieu, je vais réussir normalement. Mais est-ce que ça vous dirait un petit live? Ben, ce serait ce soir en fait. Tu vois? Ce serait plutôt ce soir parce que demain tout le monde est pris. Tu vois?
Donc je ferai bien un petit live ce soir en sachant que comme on a 3 heures de décalage, c'est le soir de chez vous. Moi je m'adapte. Ok. Donc je me disais que 19 heures de chez vous, c'était pas mal, non? Je pense. Je crois. Donc dites-le-moi en commentaire. Comme ça je vois comment. Parce que si je fais à 20 heures, il faut savoir, ouais. Ça revient un peu au même, hein. Mais bon, ça me fait commencer à 23 h de chez moi. Donc, 19 h, je me dis que ça peut être top. 19 h. Si c'est possible, plus de bonheur, un petit peu plus de bonheur, 18 et 18 h 30, ben, dites-le-moi en commentaire, d'accord? Ah oui, au moins que tout le monde puisse être dans les énergies de ce premier live. Et voilà, peut-être, pourquoi pas, faire un tirage général et fermer mes yeux, piocher. Enfin, je ne sais pas comment je vais faire pour piocher, mais bon, on verra. C'est l'univers qui sera, qui aura droit à un petit message, voilà, supplémentaire. Donc, dites-le moi en commentaire, ok? Et merci, merci, merci. C'est trop beau. Alors pour ce matin, on va aller voir quel jeu on va prendre, belle âme, si vous êtes mes guides. Quel jeu va-t-on utiliser ce matin? Eh oui, demain c'est Noël. Déjà, c'est un truc de dingue. Alors, les anges divinatoires, les esprits de la forêt. Ah d'accord, les esprits de la forêt. Ok. Et un petit troisième pour le trois choix, s'il vous plaît. Merci. Les cartes deck. J'ai crié, pardon. Mais le camion, ça passe les poubelles. Tu as quelque chose à jeter. Les cartes d'activation géométrique sacrée. Allez, on va aller chercher tout ça. Logiquement, c'est vite fait. Je sais c'est quoi. Les anges divinatoires. Ah, c'est même pas les poubelles, hein. C'est les végétaux. Alors, les esprits de la forêt, les anges divinatoires, carte d'activation géométrique. Sacré. Merci. Voilà. C'est parti. Et mais en fait, on vient de me dire là, en fait, demain, je vais peut-être faire un signe pour chaque signe, tu vois. Enfin, demain pour ce soir. Tu vois? Je vais faire pour chaque signe, un message pour chaque signe. Ça peut être pas mal, tu vois? Pour le premier petit message de Noël. Oui, ça peut être chouette. Tu me dis, tu me dis. Allez, les anges divinatoires, je vais quand même pour le dos de deck. Le dos de deck. On va garder. Voilà. Et ça pour le trois choix. Donc, on commence. Donc, c'est les anges divinatoires. Avec les esprits de la forêt et la géométrie sacrée pour le trois choix. J'y crois pas qu'on ait plus que 1 000, tu sais, avec ma tête là. T'as vu ça? Ah, bah, ma foi, comme t'as des cheveux indisciplinés, hein, tu peux rien faire. Alors, on y va. Ouais, c'est fou, c'est dingue. Merci, merci, merci. Oh. Vous recevez mon amour, en fait. C'est trop beau.
Oh là là, merci l'univers. L'énergie, allez, l'énergie s'il vous plaît, mes guides. Opé. On l'a eu, je crois, la dernière fois, la grâce. Il y a des grâces, une grâce, là, une grâce pour toi. Le 3, c'est la carte numéro 3. Un petit clin d'œil, comme ça, à ma petite chérie, à ma boule. Ouais. Il y a une grâce. On te dit... Fais tes demandes, en fait. C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie. Laisse monter ta demande là-haut. Lâche prise sur ce que tu désires. Voilà. Lâche prise sur ce que tu désires. Laisse... En... Tu... C'est des énergies, ça. Hein? Bon. Tu as un rêve. Tu as une demande. Laisse-la monter. Lâche prise pour que... tu puisses la laisser pour qu'il puisse entendre, en fait. Si tu souhaites ton étoile et que tu la gardes dans les mains, là-haut, ils ne reçoivent pas le colis, en fait. Tu vois, ils ne reçoivent pas la demande, la commande. Lâche prise sur ce que tu désires, d'accord? Et garde espoir. L'espérance. Regarde, je te montre ce qu'on me montre. Dans le sablier. Non, c'est que de la lumière. C'est la lumière ou qu'est-ce qui se passe? C'est la fin là. C'est bizarre, hein? C'est la première fois qu'on me montre ça et c'est perturbant. Toi, mon bobo, il doit te perturber du coup. Je suis désolée. Et... garde espoir, en fait. Garde espoir, regarde. Il y a un cadeau, là. Il y a un cadeau qui est au-dessus de ta tête. Tu vas bientôt pouvoir prendre ce fil qui est relié à ton cadeau. Bientôt, tu vas le voir, ce fil-là. Mais lâche prise pour pouvoir faire en sorte qu'il descende ce fil et que tu puisses tirer dessus. D'accord ? Et puis dire, c'est à moi, c'est pour personne d'autre. Espérance, belle âme, garde espoir. L'espoir fait vivre, tu sais, quand tu n'as pas espoir, quand tu perds espoir, tu te raccroches à quoi en fait? Surtout si tu es en dépitation. Dépité. T'es en dépitation. Tu vois, surtout si t'es pas bien, si tu... ton monde, il va mal. Comment tu fais si tu n'as pas l'espoir? Si tu n'as pas espoir en un monde meilleur, en un déblocage dans ta situation. On y va. Bon, ben moi je vous dis, j'en reçois, moi. Ça va faire un mois demain que j'en reçois et que j'y crois. C'est vrai que j'ai du mal. J'y crois, si j'y crois. Enlevez le moi pas. L'amour. J'en reçois de vous tous les jours. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Et on te parle d'amour. Tu as fait une demande par rapport à l'amour. On te dit que tu as du réconfort et du soutien dans l'amour. D'accord ? Tu sais, on te dit que tu attires ce que tu vibres.
Tu attires ce que tu vibres. Qu'est-ce que tu désires attirer à toi? Pose-toi cette question. Et en gardant en tête que tu attires ce que tu vibres. Tu veux attirer l'amour? Sois amour. Attention aux personnes hein, qui, avec leur catastrophique ou je sais pas quoi, là, qui pourraient me dire tu attires à toi ce que tu es. Non, ça c'est toi qui veux faire le méchant, la méchante. Ça ne m'appartient pas. D'accord? Mais toi, ma petite belle âme derrière là, l'amour. Amitié. Il y a l'amour d'un ami. Tu as de l'amour pour un ami. Tu vas recevoir l'amour d'un ami. Tu vas donner ton amour à un ami. On parle de communication là par rapport à un ami. Communication. Il y a des communications, j'entends, en connexion. Vous êtes connecté en fait. Tu es connecté à une personne ici. Hein. Liberté. En fait, j'entends que tu as de l'amour ici pour un ami. Et c'est un ami qui doit retrouver sa liberté. C'est un ami qui se libère. Merci. C'est quelqu'un, une personne. Je vais être ami, comme tu veux. D'accord? En tout cas, il y a un amour. Tu as un amour. Tu as de l'amour à donner. Tu veux donner de l'amour à une personne. Et cette personne est en train de se libérer. Elle est en pleine croissance, cette personne. Et elle est, l'archange Raphaël est sur ce lien, sur sa libération, en fait. L'aide à se libérer. Cette personne n'est pas seule, d'accord? Oh là là, mais vide. Ça serait bien si ça tombe là, sur mon truc là. Ascension sur... Si tu as bien suivi, on en a tiré trois. Sur l'amour. La première, c'était l'amour. Il y a un amour qui ascensionne, qui va illuminer. Mais pour qu'un amour ascensionne, il y a des marches à monter quand même. Enfin, c'est comme si qu'on me disait ici, vu que c'est dans ce sens-là, tu vois, moi, je sais comment... Ils savent comment je fais dans ma tête. C'est comme si que cette ascension sur un amour, sur cet amour, on te disait ici que pourquoi tu cherches à monter encore des marches, pourquoi tu cherches encore loin là-bas en fait, parce que tu es déjà arrivé à ton but, tu es déjà arrivé, tu es à destination. Il y a une personne qui est perdue ici là, qui a l'amour en face d'elle, qui vibre l'amour, qui ressent l'amour, mais qui continue à monter des marches et qui se perd en fait. Cette personne, plus elle avance, plus elle se perd parce qu'elle s'éloigne de son but, de cet amour en fait. C'est comme ça qu'on le voit. C'est beau quand même, hein? Parce que sur l'amour, tu as l'arc-en-ciel et l'ascension, il y a l'arc-en-ciel. Motivation, il y a un ami ou une amie qui est motivée là. Ou alors qu'on pousse cette personne à... Ouais, il y a une personne qui te vise, hein? Qui est motivée, ah d'accord, qui est motivée à se libérer. Oh, j'adore, mais les cartes, comment elles sont? Je vais te montrer si tu veux bien après. Je vais te bouger un petit peu, mais... Le pouvoir, ouais. Elle doit se libérer, cette personne, pour retrouver tout son pouvoir, pour reprendre sa place. Oh là là. Et l'archange Michael est avec cette... Alors, cette personne est l'archange Raphaël, l'archange Michael, d'accord? L'archange Michael qui aide cette personne à suivre le courant, en fait, à se laisser porter par... parce qu'il l'appelle, par cet amour...
C'est beau. L'intuition. Il y a un amour qui ascensionne, il y a un amour qui pouf, hein. C'est beau là, il y a un amour qui est magnifique, hein. Et tu as l'intuition de quelque chose, ouais. L'intuition, tu sais ici qu'il y a quelque chose qui se transforme. Il y a transformation. Tu sais que le papillon est entre tes mains ici, d'accord? Et que pour pouvoir transformer, devenir, faire en sorte que cet amour devienne un papillon vert et rose, parce que c'est du vert et rose, magnifique. L'amour de soi et l'amour inconditionnel. Quand tu as l'amour de toi, pouf, c'est bon. Tu peux donner de l'amour. Tu as l'amour pour les autres. Yeah. Tu le sais, pour cette transformation, tu sais qu'il faut souffler sur ce qui n'est plus utile, en fait. Souffler sur ce qui vient faire opposition, en fait, à cette transformation. Service. Harmonie. Il y a une personne, un ami, une amie, qui est motivée à se libérer, d'accord? Un ami, une amie qui est motivée à se libérer, c'est une personne qui est en train de se soigner. Ah ouais, là je sens le truc là. Et tu viens me regarder pour dire, bah ça y est, j'ai fait depuis hier ma fille. Hein. Oh là 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 là. Tu peux recevoir, tu peux trouver une plume, d'accord? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu peux trouver une plume blanche. 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 Alors si tu trouves une plume blanche, peut-être tu auras la neige. Une plume, oui, bah peut-être à la télé, dans un livre, quand tu ouvres un livre, dans peu importe, d'accord? En tout cas, il y a une plume. On parle d'une plume blanche. Là, on parle de la guérison d'un ange, tu vois? La guérison d'un ange. Il y a une personne qui a besoin pour se soigner de communiquer, de retrouver de la chaleur dans des communications. Il y a une personne là pour retrouver son harmonie qui est à l'écoute de ce qu'elle doit soignée en elle. Et c'est une personne qui sait que tant qu'elle ne s'est pas soignée, tant qu'elle ne se sera pas soignée, tant qu'elle n'aura pas pris soin d'elle, il y a... Oui, tant qu'elle ne se sera pas soignée, elle ne pourra pas avoir cette motivation de se libérer en fait.
On te parle d'un amour harmonieux, d'un amour qui à l'écoute de l'un et de l'autre. Dans cet amour, il y a vraiment l'écoute, il va y avoir, ou il y a vraiment l'écoute de l'un et de l'autre. On parle dans cet amour d'une liberté, la liberté d'être, donc de, j'ai une antenne moi, la liberté, tout va être vraiment en équilibre en fait. C'est vraiment être à l'écoute de l'un et de l'autre et ne pas ignorer les intuitions de l'un et de l'autre. Laisser cette liberté intuitive à l'autre. On parle d'un lien qui guérit, d'un lien qui soigne, d'une amitié, d'un lien qui soigne. Et forcément, c'est une belle avancée sur votre chemin de vie, ascension, pouvoir. C'est une belle avancée. Vous êtes sur votre chemin de vie. Vous ascensionnez à votre manière. Et vous êtes automatiquement, vous prenez votre place en fait, c'est ça, d'accord? C'est beau, hein? Le but. On te dit avec cette carte, le but. Je sais pas si tu vois bien. Elles sont belles, ces cartes, moi je te dis. Alors, on te dit de te répéter si tu le souhaites. Je vis en accord avec le but de mon âme. Je vis en accord avec le but de mon âme. Mon bras est fatigué, hein. Pardon. Votre âme aspire à atteindre le but de votre vie. Exprimez votre être véritable. L'ange du but est là pour vous montrer la voie. Pensez à votre travail, à votre vie personnelle, à vos croyances et revoyez les étapes qui vous ont amené jusqu'à ce point. Si ces aspects de votre vie vous remplissent d'énergie, c'est le signe qu'ils sont essentiels au but de votre âme. Cependant, si l'un d'entre eux vous déprime, vous fatigue, ou va jusqu'à vous rendre malade, changez-le. Asseyez-vous tranquillement et demandez l'aide de l'ange. Faites ensuite la liste de tous vos souhaits. Commencez par réaliser le plus facile d'entre eux, puis progressez dans votre liste. Plus vous passerez de temps à suivre votre cœur, plus vous attirerez l'énergie positive qui vous aidera à concrétiser de mieux en mieux vos rêves. Tu vois, c'est magnifique. Tu sais, alors je précise, hein, quand je parle d'amour, ça peut être l'amour de toi. D'accord? C'est pas forcément sentimental. Tu prends comme, ou l'amour d'un professionnel, l'amour, tu vois ce que je veux dire? C'est, tu prends vraiment comme ça te parle. D'accord? C'est important. Fais-toi confiance. S'il vous plaît, mes guides. C'est parti avec les esprits de la forêt. Alors,
la reine des elfes. La 13, celle-ci aussi, elles sont... toutes les cartes sont belles, hein, de toute manière, en général. Hein. On fait une petite pyramide, mes guides. En amour, il y a une reine des elfes que tu kiffes. Ok. On parle de destin. Hein. On te parle de destinée. Amour enflammé. La destinée d'une sensualité. Mais par contre, il y a comme un fardeau. Hein. Il y a, en amour, il y a quelque chose de lourd. On te dit que tu dois prendre tes responsabilités ici. D'accord? En amour. On peut te parler d'introversion face à ton destin. Introversion face à ton destin. Ouais. L'arnaqueuse. Sur l'amitié. Alors, est-ce que c'est vraiment une arnaque ou c'est une croyance qu'on t'arnaque, belle âme? Tromperie par rapport à la sexualité, peut-être, l'excitation. Alors, est-ce que tu ne te sentirais pas trompée, trahie? Tu prends comme ça résonne pour toi. C'est important. Du fait que tu aimerais que les choses se passent plus vite. Tu aimerais que les choses s'accélèrent. Tu aimerais que ton rêve se concrétise enfin, en fait. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Il y a eu de l'arnaque hein, dans une amitié. Il y a quelqu'un qui t'a arnaqué. Hein. Alors, quelqu'un a pu te faire... Oh, pardon, je ris. C'est la manière que j'ai dit. Hein. Là, il y a un ami, une amie qui... Ouais, attention, on parle de tromperie quand même. Hein. Je vais rajouter des cartes, mais... Alors, Isa, sur liberté. Ouais, immobilité pose... Tu vois, il y a quelqu'un qui prend sa liberté ici. Qui se libère. La métamorphose. La métamorphe. Sur ascension, on parle de transformation, sagesse primitive, instinct. Tu le sais, tu le sens. D'accord? Tu sais qu'il y a une destruction. Tu sais que pour transformer, pour ascensionner, il faut détruire quelque chose. Il y a une fin. Tu dois faire preuve de sagesse pour mettre fin à une situation. Et on te parle de l'instinct des derniers instants. Pouh, tu prendras comme ça résonne. Hein. Ouais, il y a eu une immobilité ici. Pour un temps de planification, il fallait planifier les choses. Une pause qui a demandé d'être patient, patiente, comme tout le temps, comme toujours. Ah ouais, la tromperie, la trompeuse là. Ouais, il y a eu une tromperie par rapport à des promesses ici. Trahison dans un engagement. Il y avait peut-être des contrats un peu partout avec un peu plein de monde. Hein? Pas que toi. On te parle de la reine des elfes ici. La reine des elfes, c'est la donneuse de vie. Ta reine des elfes en amour, ça peut être toi, ça peut être une personne face à toi. D'accord? C'est une personne qui est dans l'accomplissement.
face à ses responsabilités. On parle de croissance pour cette personne, malgré un fardeau. Elle continue d'avancer, cette personne, d'accord? Elle a de l'amour d'elle-même. Elle a de l'amour pour elle. Ou toi, je prends comme ça résonne. C'est vrai que j'aurais pu, parce que ça fait... En même temps, il n'y aura pas de vidéo comme d'habitude pour cet après-midi, ou ce soir. Ça sera la vidéo de la pleine lune, ok? Ça risque d'être un peu chaud, je crois, pour la vidéo. L'autre monde, ouais. Il y a quelqu'un qui est motivé pour aller vers un autre monde. C'est le roi des elfes. Il est dans les bois sombres. Il faut qu'il fasse preuve d'autorité, ce roi des elfes. Et qu'il soit crédible, hein, face à mal-être. Duira qui te parle d'une guérisseuse, d'une nourrisseur et d'une personne très attentionnée. Il y a un pouvoir ici, hein, de guérir, un pouvoir de guérison. Bah, la rêveuse. Oh, il y a un petit... je sais pas si tu as vu. Moi, j'appelle ça les petites fées. Alors, il y en a, ils appellent ça des poux, des bébêtes. Je trouve qu'elles sont magnifiques quand elles prennent leur envol, en fait. C'est vraiment, on dirait des petites fées. La tisserande. La tisserande qui te parle de destinée, de ton destin, d'accord? Ton intuition ici, hein. Ton intuition. Suis ton intuition. Pour ceux qui étaient destinés. Quelqu'un qui est connecté à son intuition ici. Qui sait qu'une transformation, bah, il y a le destin, il y a la transformation, d'accord? Faire preuve de sagesse pour atteindre sa destinée. Faire preuve de sagesse par rapport au fardeau, face au fardeau, à un fardeau. Le roi des elfes. Le roi des elfes, il est en train de se guérir. Et c'est peut-être quelqu'un qui est au service de la guérison, au service des autres, pour guérir. Un roi des elfes. On dit à cette personne qu'il faut faire preuve d'autorité, hein, pour être crédible aux yeux des autres, en fait. D'accord? Ouh là là, vas-y donc. La reine des œufs, elle est belle. Oh là 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 là. Hein. Elle est belle aussi, celle-là. Hein. Je ne sais pas si tu vois bien, bien, bien. La reine des incels, Élise, je sais pas. Glamour, opulence, orgueil démesuré. Pour moi, elle sait ce qu'elle veut, elle. Elle s'en fout de ce qu'on pense. Hein. Clairement. Elle s'en fout. Et du coup, y en a un, il faut qu'il fasse preuve d'autorité face à elle. Enfin, d'autorité, voilà. Il faut qu'il montre qu'il en veut, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. S'il vous plaît, mes guides. La dernière. Et le dodo deck. Ouais. Ah oui. Tu avais dit que je l'ai pioché. Le solitaire. La solitaire, dévouement, amour propre, concentration. Il y a une personne qui est solitaire et qui est en harmonie avec sa solitude. Hein. Moi, je te dis. La grâce, c'est bien ça. Tu vois, on te parle de grâce ici. D'accord? Avec... Elle est belle.
noblesse, grâce, gratitude. En fait, c'est comme si on te disait ici, il y a une c'est un voile. Le voile, il y a un voile. En fait, il y a une tromperie qui est déguisée. Enfin, qui n'est pas ce qu'elle est, en fait. C'est un peu ce que j'entends. Une tromperie qui n'est pas ce qu'elle est. Parce qu'il y a une personne qui a été très, très dure en face, en fait. Ok. Oh mon Dieu. Qui a été très, très dure. Qui a été, tu vois. Chut, voilà. C'est moi qui commande, c'est moi qui décide, en fait. Il y a une trahison qui a rendu, ou une sensation en tout cas de cette... Ouais, il y a une personne qui s'est sentie peut-être trahie, ou alors ça a vraiment été le cas. Et c'est une trahison, ça l'a rendue malade ici. Et il faut que maintenant, elle prouve... Elle est les bons arguments par rapport face à cette trahison. Enfin, je sais pas comment te dire. En fait, c'est que tu te sens trahi, ça te rend malade et il y a une personne qui doit faire preuve de crédibilité, tu vois, qui doit remarquer des points avec toi. En fait, c'est un peu comme ça que je l'entends. En amour, s'il y avait un peu d'introversion, tu vois, de l'introversion, on parle par rapport à cette introversion de transformation et de destin, de transformation de ton destin. On parle d'une sensibilité. Il y a une personne qui est très sensible, qui est très attentionnée. Et qui est très concentré sur la gratitude, sur toute cette gratitude aujourd'hui dans sa vie, sur tout ce, enfin t'as compris, toutes ces choses pour lesquelles elle est dans la gratitude aujourd'hui en fait. Je suis obligée de la lire. On me dit de la lire. On te dit, pesante est la tête qui porte la couronne. Oui, que je te montre. Oh, bah c'est tellement plus simple, Virginie. Quand même. Je suis folle. Je suis folle. J'aurais dû te mettre comme ça depuis le début. Oh là là, ça aurait été tellement plus simple. C'est horrible. Je t'ai mis trop loin. Pesante est la tête qui porte la couronne. Mais à chaque instant, au cœur de toutes les responsabilités et circonstances, repose l'opportunité d'être noble, plein de grâce, reconnaissant. Et regarde, on a eu la grâce. Hein. Et voici Ateling, un esprit sage qui sait écouter les appels, requêtes et demandes et y répondre sans pression, frustration ni tension. Elle a la capacité de distiller calmement les clameurs dans son entourage et de se concentrer sur une seule action à la fois. Elle n'est pas du genre à se sacrifier ni à se laisser influencer ou dominer. Elle n'est pas non plus submergée malgré la vaste nature de son royaume et de ses responsabilités. Elle assume ses devoirs avec légèreté,
tout comme elle porte sa couronne. Et voici son message. Trouver un moyen de freiner les existences, les exigences que vous imposez, que vous impose votre vie. Je vais recommencer ma phrase si tu veux bien. Trouver un moyen de freiner les exigences que vous impose votre vie, de fixer des limites, d'arrêter de vous sentir aussi contraint de sacrifier ce qui vous est nécessaire au profit de ce dont ont besoin les autres, qui, tout simplement plus bruyants, vous paraissent en avoir davantage le droit. Pour le moment, respirez et apaisez-vous, puis progressez prudemment en vous concentrant sur une chose à la fois et en focalisant toute votre attention sur chaque tâche. Il est maintenant temps pour vous de faire preuve d'autant de grâce en disant non qu'en donnant votre approbation et ne jamais faire montre de cruauté, ni de parler d'un ton sec ou condamné du simple fait que c'est l'opinion la plus simple, l'option la plus simple. Atteling nous rappelle que même sous pression, le devoir et le prestige sont accompagnés d'une grande responsabilité et qu'il nous faut nous souvenir de nos bénédictions pour voir évoluer le contentement que nous éprouvons. Il nous faut étendre notre patience et doter autrui de dignité, faire preuve de bienveillance et de reconnaissance pour voir chaque jour l'opportunité de changer le monde et le rendre meilleur. C'est bien, c'est beau. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est un. Qui ne se laisse pas faire. On y va, belle âme. Tu fais ton choix. Un, deux ou trois. Avec le petit message des cartes de la géométrie sacrée, s'il vous plaît, mes guides. Premier choix pour la première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. S'il vous plaît. Premier message, deuxième message, troisième message. Sur l'envers. On parle de... Il faut que dans les communications, il y ait de la cohérence. Il faut que les choses soient cohérentes. Dans les communications, des communications claires. Enfin, il y a un manque de cohérence dans les communications, dans ce que tu verbalises et ce que tu fais. Voilà. Ou une personne autour de toi, belle âme. Premier, merci. Deuxième. Et troisième. S'il vous plaît, mes deux. Premier, ok. Deuxième, merci. Et troisième, s'il vous plaît. Merci. Alors pour tous, changement, un air de changement. La fréquence du changement renforce notre capacité à évoluer facilement avec la nature perpétuellement changeante de la réalité, à la fois intérieure et extérieure, afin d'apprécier la douce libération de l'ancien et la naissance de la nouveauté. C'est très bien, c'est magnifique. Gaïa est avec nous, centrée, ancrée dans la terre. Premier choix, mesdames, tu as dynamique. Dynamique, qui te dit ? La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Dynamique. Si tu souhaites faire une petite capture d'écran, tu vois, pour avoir ton image et te concentrer sur ton énergie de dynamisme. Voilà. Enfin, je crois que c'était suffisant comme j'ai fait. Enfin, j'aurais...
Je n'étais pas obligée de rester longtemps comme ça, je crois. Deuxième choix, la tolérance. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la meilleure chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Je t'invite, si tu le souhaites, à faire ta petite capture d'écran. Voilà. Et troisième choix, affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Et oui, je t'invite si tu le souhaites à faire ta petite capture d'écran. Voilà. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça a parlé et que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Donc, je te dis à tout à l'heure pour... Je ferai quand même le signe. Et si on le faisait là tout de suite, le signe surprise, tu sais, parce que... Oh, et puis non, j'ai tout le temps, moi, aujourd'hui. On fera les choses comme d'habitude. Donc, voilà. Je ferai la vidéo pour la pleine lune. Est-ce que le live, je crois qu'il faudrait peut-être remettre, hein, parce que je pense que ça va trop se bousculer là, d'accord? Donc, je pense entre le 25 et le 30, tu veux bien? C'est toi qui vois. Donnez-moi un peu la date que vous préférez entre le 25 et le 30, d'accord? Enfin, 25, hein, 26 plutôt, 26. Donc, le 26. À partir du 26, dites-moi quelle date vous préférez, ok? Avant le jour de l'an, comme ça on est entre les fêtes et on peut se faire un petit live, si ça vous dit. Je vous dis à tout à l'heure, je vous envoie ici et maintenant tout mon amour et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.